Bonsoir YouTube. Comment allez-vous? Souvenez-vous, la dernière fois nous avions battu le boss de l'enfer. First try, bien évidemment. C'est faux. On avait galéré comme pas possible. Il était ici. Dans cette flaque de sang. Atrocement bien simulé. Ceci dit, quand on passe notre bâton et tout. C'est stylé, hein? Même le bâton a un impact sur la simulation, sur les fluides, c'est fou. C'est vraiment bien foutu. Hein. Salut Redkey, tu vas bien? Oula, tu l'as bientôt. Ce jeu est dingue, Logan. Tu l'as bientôt, Redkey. Je pensais que tu te fais pas une petite soirée World of Warcraft? De 0 à 10, que vaut la nouvelle extension de WoW? Dis-nous tout. Vends-nous et... Imagine t'es commercial, tu dois nous vendre le jeu là. T'as 10 secondes. Let's go voir la suite. Mais oui. Ce jeu est vraiment fou, Logan. T'as tout à fait raison. Alors je sais pas si tu m'entends, il y a marqué que t'as le logo... t'as le logo mute. C'est peut-être un bug. Ramassons ce champignon, bien évidemment. Ah ok. Oh je sais pas. Non, ça te bug. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On n'aura pas crevé sur cette merde. On va mourir sur cette chiasse. Un vieux cep. Bam. Hein? Attends, on prend des dégâts quand on tape ce genre de champignon? Attends, qu'est-ce que c'est que ça? On m'a pas prévenu là, par contre. Achète-le, c'est bien, non jamais. C'est quoi la prochaine vidéo formation Blender? C'est pour moi. Donc, pas ce samedi, mais l'autre. C'était le boss final du jeu, t'imagines le vieux champignon. Je sais pas pourquoi ça. Non, mais ça a disparu, là. Ah, en vrai, elle est vraiment bien, juste que tire pour le moment, elle est vraiment bien. Ouais, mais les fans de WoW disent ça à chaque fois, non? Est-ce qu'il y a eu une extension qui a déjà été mauvaise? Tu vas dire non. C'est à chaque fois un banger. C'est ça? Bonsoir Squadron, comment vas-tu? Installez-vous confortablement, ce soir c'est moi qui m'énerve. Si jamais vous avez passé une journée de merde, dites-vous que ma soirée sera pire. Parce que sur ce jeu à chaque fois... Eh non mon petit. Et voilà. Et là ils étaient ok celle-là. J'en sais... Ah ouais vraiment? Ça va très bien merci. Il est posant son champignon, ouais je viens de voir ça. Hop là, en bas du holly. Ouais, j'avais une vidéo où les gens ils arrivaient à soulever des feuilles avec le bâton. Il y avait une simu et tout, c'était trop bien. Mais. T'es pas aux events, je suis dévasté. Ouais, alors je suis dégoûté. Tu sais comment ils ont fait les. Ils ont sélectionné avec le nombre d'heures streamées et visionnées les 6 derniers mois. Du coup, trop désavantagé à streamer 2 heures par soir quoi. Ouais, c'est des gros streamers. Il y en a 2-3, j'ai vu, qui avaient les mêmes audiences que moi, mais qui streamaient beaucoup plus. Putain, je savais que j'aurais dû faire... demander une demi-année au boulot pour streamer pour les events. Objectif l'année prochaine, du coup. Pour voir le positif. Au pire, je me fais le M-Event. Le M-Event. Et l'association, c'est mon entreprise. Ce serait pas mal ça. Ça vous plairait? Oh putain le bâtard. Come on!
Oh the fuck, il est énervé lui. Je sais pas si on a bientôt fini le chapitre 2 d'ailleurs. Je pense que oui. En vrai, ouvrons ce coffre. Bonsoir Kirok, comment vas-tu? Ah, objectif l'année prochaine du coup. Après c'était c'était sûr. Enfin, ça dépendait comment ils allaient trier les trucs mais. Récupérons un petit peu toutes nos stats. Voilà, magnifique. Créer, on peut pas créer d'armes, je pense. Je pense qu'on a rien là. Et non, et non, et non, et non. Compré, oula, c'est bien nul à chier. Je sais pas s'il y aura des nouvelles armes plus tard. Armure. Putain, on a rien de plus, on a rien de plus. Ça va très bien, merci Kirok. Ah! Attendez, j'ai vu créer des remèdes. C'est nouveau ça? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Dégâts, concentration, état de choc, poison, gel, brûlure, réduction des dégâts. Pouah, on a besoin de rien de tout ça. On fait le jeu sans item. Vous le savez. Vous savez ce qu'il y a dans 2 jours? Alors déjà, je suis en congé. Et surtout, il y a Call of Duty Black Ops 6. Putain, c'est fou de se dire Black Ops 6. Oh le what the fuck le bâtard. Comment il peut taper derrière? Ok, il a plus de bouclier, on le fume. Oh, il est énervé. Fascine. Star Wars Outlaw. Non, ça me dit. Alors, je vous ai déjà dit à quel point je n'aime pas du tout Star Wars, donc. Je sais pas si on le se le teste. Il est pas fou en plus, apparemment. Hein. J'ai vu plein de trucs qui disaient qu'ils étaient pas fous, donc si en plus tu enlèves le fait que je sois pas fan de la licence, je sais pas ce que ça vaut. Ouais. Mais... me fais chier. Merde. Oh le lock pourri. Alors non, c'est la bêta, pardon, ce week-end, c'est la bêta, après il sort un peu plus tard. Mais du coup, la bêta, on va la tester. Pour avoir accès à la bêta, faut soit précommander le jeu, soit avoir le Game Pass. Et vu que j'ai le Game Pass, c'est tout bon. Pourquoi il s'est pris lui, mais ça m'a pas plu. Oh non, pas ça! What? Je vais pas mourir par ça! Une vieille merde! Ok. Non, Star Wars, y en a parmi vous qui l'ont testé ou pas du tout? Parce que franchement,
Déjà, ce que j'ai vu, c'est moche, alors que c'est des ancêtres magnifiques. Donc c'est pas très beau. Et apparemment, c'est full buggé. C'est répétitif. C'est chiant sur même. Donc, I don't think so. Pas testé. Après, pour ceux qui sont fans de Star Wars, c'est pas cool d'avoir un open world Star Wars, quoi. Mais il y avait beaucoup de promesses visuelles et tout sur les... un peu malheureusement, comme fait souvent Ubisoft. Ça qui est dommage, c'est que les trailers sont... donnent envie. Bah t'as mieux, c'est le but d'un trailer. Mais après, des fois, un petit peu déçu. Et là, ça fait partie de... We rise again. Ça fait partie de ces cas de figure là, je trouve. C'est mon avis, hein. Après, peut-être que vous allez forcément tomber sur des gens qui ont adoré le jeu, et tant mieux. Le jeu est peut-être pas mauvais, hein, mais... ça, il y a un coffre là-bas. Comment ça? Comment ça, il y a un coffre, je ne peux pas l'atteindre? Non. Mais dites-moi pas que c'est pas vrai. Oh non, c'est tellement frustrant. Il y a le poing en plus, il y a le poing du coffre. C'est pas possible. Oh! Un rideau. Un foutu rideau. Moi j'ai lu tout et son contraire, donc je me ferai mon propre avis. T'as bien raison. Toujours se faire son propre avis. Bon, des fois c'est aiguille, ça dépend en fait. Si le jeu est un peu contesté, mais pas plus, pourquoi pas, ça veut dire qu'il peut y avoir un petit peu des avis divergents. Mais si tout le monde dit, ah non, c'est 100%, c'est 95% des gens disent qu'un jeu est pas fou, généralement, tu prends pas trop de risques à dire qu'il va pas être fou, quoi. Mais après, il y a des contre-exemples. Moi, il y a plein de jeux que j'adore, que j'en déteste, et inversement. Hein. Donc bon. Chiant, c'est rare là. Mais en tout cas, moi je vais pas le. J'ai pas prévu de le tester. Hein. Du moins, pas prochainement. A voir si vraiment. Imaginons, ils sortent un patch de zinzin. Le jeu devient. Devient ouf! Là déjà faut qu'on finisse ce jeu. Je vais un petit peu penser Call of pour rendre plus grand plaisir. Vous allez me détester. Mais on avait The Last of Us Part 2 aussi qu'on avait commencé. On avait bien entamé, hein. On avait au moins joué 2 heures. Donc franchement, le jeu était vraiment bien. Salut Alexandra, tu vas bien ? Et ça, ce que j'adore, c'est que... Regardez, il y a même Timu devant. Enfin, une Timu, c'est pas vraiment une Timu, mais des systèmes de collision sur le bâton et tout, c'est trop bien. Ça va très bien, merci. Comme un mardi, mercredi, comme un mardi ou mercredi, je sais plus. Je perds la notion du temps. Mercredi, peut-être. Ah oui, je suis en vacances dans 2 jours, donc mercredi. Non, mais mi-homme, mi-cheval. Wow, calme-toi.
Vas-y. Et voilà. Comme on l'a dit. Non, j'ai pas vu Alien, je le verrai pas, je pense. J'ai jamais vu. Alors, le seul Alien que j'ai vu. Attends, je sais même pas si c'est un Alien. J'avais vu Prometheus au cinéma à l'époque. J'avais bien aimé pour le coup. Étrangement. J'avais bien aimé Prometheus, mais j'ai l'impression que... Est-ce que tous les aliens, c'est pas le à chaque fois la même rengaine? En mode, ils arrivent dans un vaisseau, nanani, t'as un truc qui arrive. Bam, alien, hop, transformation, ça sort du bide. Oula. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est costaud là quand même les deux là. Enfin les 48 heures. Ça fait que des esquives parfaites les gars. Ça dégage. Franchement, déception. Ah merde! Attends, t'es pas allé le voir semaine dernière? Tiens, du moins, reprise des idées des 4 films de la franchise. Ah, esprit du rat. Je sais pas à quoi ça sert ces esprits par contre. Mesdames et messieurs, je ne me souviens plus comment ça fonctionne. Putain, la zone est grande là. Pas une sauvegarde en par là? J'ai peur de crever. Ok, donc t'as été déçu. Comment il s'appelle? Maximus? Non, c'est comment il s'appelle le dernier? Ah oui, semaine dernière, oui. Ah oui, je l'ai vu, j'ai cru que tu disais, je l'ai vu récemment, pardon. C'était semaine dernière, ouais. Eh ben, mince, dommage du coup, si t'es déçu. Tu es fan de base? Romulus. Maximus, rien à voir. Je suis Maximus. Romulus donc. Il protégeait des plantes. Parfait. Ah t'es fan et t'as pas aimé, donc ceux qui sont fans moyens, ça va être une catastrophe. Moi qu'est-ce que j'aurais bien aimé aller voir au cinéma? Faut que j'aille voir Deadpool. Parce que j'aime bien de base. J'aime bien les Deadpool. Je crois que c'est mes Marvel préférés, les Deadpool. Avec les. Avec Guardians of the Galaxy. J'aime bien tout ça. Donc j'arrive. Inato, toi t'as dû aller voir Deadpool. T'aimes bien aussi, je crois. Allez. Zone cleanée. Ne dites pas qu'il y a un boss là. Par pitié, hein. Ça va. Oh, magnifique. Pour te dire, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un scénario. Chan, il tient la route. Ben, tiens. Ah, il tient plus la route que le scénario du film. Parce que souvent, c'est ça sur les licences un petit peu surexploitées. Ils essaient d'amener des trucs, tu sais pas d'où ça sort. Et ça devient un petit peu fouillis. Clairement, ah merde. Ah ça c'est con. Hein. Quand tu te dis que ChatGPT aurait pu faire mieux. C'est qu'on a quand même atteint un niveau... Attendez, est-ce qu'on va plus... Est-ce qu'on va plutôt là-bas? La tornade. Ah, esquive de suite.
Putain, ils sont chiants à battre ces trucs là. Ah, déçu, on peut pas aller là-bas. Oh, c'est le seul point négatif du jeu des fois. Il nous dit, yeah, viens ici. Et tu peux pas. On peut bien aller de l'autre côté là quand même. Oh non. Dommage. Ce sera pour Black Myth Wukong 2. Ah, j'ai remarqué la vignette autour de l'écran est bien basée sur la vie, sur la santé. Ah, une sauvegarde pas loin. Oula. Parfait. Donc là, je sens, d'expérience sur le jeu, je sens quand s'approche d'un boss. Je vous le dis, hein. Parce qu'on commence à le connaître, le jeu. Là, on a fait toute une zone sans boss. À mon avis, bientôt. Oh putain. Putain, c'est chiant ces shields là. Ok, nice. Regardez, c'est pas beau. Regardez-moi ça. Unreal Engine 5. Black Myth Wukong. With a tornado. C'est beau quand même. Hein. Les bruits aussi sont ouf. Non, tout est vraiment clean sur le jeu. Tout serait vraiment très très clean sur ce jeu. C'est vraiment chouette. Ça fait du bien de jouer à ce jeu, des jeux comme ça. 10 ans de développement, hein. Malgré tout, hein, je crois qu'on disait la dernière fois. Il faut bien se rendre compte, en fait. Il y a plein de jeux qui sortent sur Unreal Engine, donc les gens sont en mode ouais mais Unreal, pff, trop facile, Unreal tu fais un décor comme ça là. C'est pas si simple, c'est pas magique, hein. Sinon tout le monde le ferait. Ça demande quand même une expertise et un temps de boulot assez phénoménal. Là on se rend pas compte mais il y a des éclairages de partout. Faudrait voir, faudrait vraiment que vous regardiez pour ceux qui sont un petit peu perplexes les making of de ce genre de jeu. Mais le travail est titanesque. Pour faire tous les assets, pour faire les décors, pour faire les lighting, pour faire les animations, pour... enfin tout est ouf. Merci pour le sub, belle belle inconnue. Je ne sais pas qui te l'a offert, Maouz. C'était peut-être Ryuken la dernière fois, ou il y a eu plusieurs subs offerts. Je sais plus. Et bienvenue à toi. Bienvenue dans la famille des abonnés. Me dites pas qu'il va y avoir un fight de boss en bas là, au milieu de ce truc, ça marcherait tellement bien. On est sur PC mais je joue avec une manette de play. C'est quoi, c'est un boss ça? Oh putain, c'est un boss. On le fume, on le laisse pas le temps de respirer. Regardez, on a glitch. On l'a atomisé. Eh oui. Est-ce que c'est toi? C'est sur PC. Mais le jeu existe aussi sur PS4. Sur PS5, pardon. Moi, première attaque m'a fait tomber du pont. Ah merde, on peut tomber du pont. Ah oui, pas de chance. On va first try. Inato, est-ce que t'es allé voir maintenant quand te tiens là? Est-ce que t'es allé voir le dernier Deadpool? Pour savoir si tu peux nous le conseiller. Il me semble que toi t'as pas mal subi les trucs Marvel et tout.
moi. J'ai des collègues qui lancent sur PS5 qui me disaient qu'il y avait des moments qui piquaient un peu visuellement sur PC, honnêtement. Il y a tout à fond, mais j'imagine que même... même ça met tout à fond, c'est quand même... enfin là, tout au max, c'est trop clean, c'est trop clean. Et le jeu est, est quand même assez bien optimisé. Alors attendez, est-ce que c'est encore méchant? Non, ça va. Pas vu, mais t'es très bon retour. Ok. Tu comptes pas aller le voir? Oh non, pas les fameuses chauves-souris! Oh non. Non, pas comme ça! Merci. Et un petit coup de Holy Energy. Ça one shot. On a pas mal de trucs à améliorer. Hein. On va se faire une petite pause d'amélioration juste après. Je crois qu'on a 4 points. On a monté 4 niveaux là sans aucun up. Nous avons trouvé des bibelots. Est-ce que vous avez vu? Je crois qu'on avait déjà parlé la dernière fois. Vous savez qu'on a eu une petite période Sims. On a fait 9-1 vers Yuken. Est-ce que vous avez vu le jeu Inzoi, qui est un Sims-like coréen, il me semble. Et qui... Ouah là 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 là, attendez. Et qui a l'air zinzin. Le jeu a l'air vraiment ouf, hein. Visuellement et tout, ça a l'air une dinguerie. On se le testera dès qu'on pourra. Je crois qu'il y a l'éditeur de personnages qui est sorti gratuit. Après le jeu, je suppose qu'il sera payant, hein. Mais l'éditeur de personnages, on peut laisser. Tiens, ça fait vraiment démo technique de l'humaine parce que les éclairages et tout avec la GI marchent vraiment bien. Donc la GI, pour ceux qui font pas particulièrement en 3D, c'est ce qu'on appelle la Global Illumination. C'est-à-dire que c'est des éclairages indirects. C'est ce qu'on a dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il suffit qu'un soleil tape au début d'une paroi d'une grotte, comme là, et ça va rebondir un petit peu partout. Et c'est quelque chose qui est assez coûteux à faire en 3D. Là, vous voyez, d'ailleurs, ils ont des petits soucis de... petits soucis d'éclairage. Qui est assez coûteux à faire en 3D, et avec Unreal Engine, il y a un nouveau système qui s'appelle Lumen, qui permet de faire une sorte d'approximation. Donc ça marche très bien. C'est pour ça que les jeux d'Unreal, les éclairages marchent particulièrement bien. Salut Erwan, comment vas-tu? Ceux qui ont fait PUBG. Je sais pas. C'est ce qui a fait PUBG? Ça va très bien, merci. Le gros caillou. On a pas de nous toute notre vie. Donc ça va être. Pas trop rester à côté, j'ai l'impression. Blinde-toi! Waouh, 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 waouh! Oh putain! Ah, ce coup de caillou, par contre, il est touchy. Bam, ça va sortir. Voilà, parfait. Merde. Oh, l'esquive pourrie. Oh, je peux vous faire peur que là, c'est mal barré. Ah oui, en plus il appelle ses potes petits cailloux. Les racailloux là qui arrivent. Oh, racailloux. Racailloux, 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 racailloux. Ils arrivent à 14 là. Compliqué. Après on avait pas de vie. On avait pas de vie, on avait plus de holy. Donc c'est normal. Je déteste ce boss, je trouve que c'est le moins intéressant. Bah ça fait... Non. 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 Non, me dites pas ça!
On recommence ici là? Oh non, le cheval. Attends, mais j'ai loupé un point de sauvegarde, c'est pas possible, on va pas se retaper tout ça là quand même. Ça c'est nul dans le jeu par contre, hein. Salut Lolo. Ça je suis moins fan. Là regardez, ah, putain. Il y a peut-être un autre path. Un autre trajet qui nous permet d'éviter tout ça. Bon, on peut sauvegarder avant le boss. En fait, il devrait à chaque fois avoir un point de sauvegarde avant le boss parce que si tu dois tout te retaper, c'est chiant. Pire truc de voir sur... Ah non, mais ça c'est le genre de truc qui... ça a point négatif, hein. Oh non! Est-ce qu'on peut... Oh putain, on peut pas escape! Il nous suit jusqu'au bout du monde, c'est ça? C'est pas par là? Je sais plus où c'est, C'est là. Mais laissez-moi tranquille, bordel! Je vois du holy. Ils m'ont pas suivi. C'est bon. Putain, on va commencer le boss midlife. Attendez, mais il y a forcément un point de respawn là. Là-bas peut-être. Est-ce que ça trigger si je... Ah, ça l'a pas trigger. Attendez, alors peut-être. Peut-être la stratégie gagnante. Ah mais j'ai pas les pissenlits qui volent donc... Ah si, pissenlits qui volent. Attendez, il y a des moines qui chantent. Récupérer. T'as raison Inato, je pense que ce chemin est plus safe dans le sens où... Oh putain, il y a un truc là-haut. Attendez, j'ai envie de me faire ça. Pardon ? Midlife sur ça ? Oh non. Mais... Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? L'homme caillou. Un caillou. Comment ça va Ryuken? Eh ben écoute, on est très contente. Bon, ça va pas changer ma vie, hein. Mais c'est l'essentiel. Ça va très bien, merci, œil de Bouddha. Oh non, on va pas se faire ça là-bas. Attendez, mais j'ai presque envie de... Faudrait que je sois full life quand même pour le boss. C'est très bien, ouais, c'est très bien. Il manque plein de travail encore. On l'a d'ici 15 jours. Mais le reste, c'est très bien. Ouais. Alors, j'ai dû faire... Tu sais mon niveau de bricolage. On avait le sortie ou arrivée d'eau, je sais plus, de la du lave-vaisselle qui passait pas dans le trou qu'il nous avait fait. Donc j'ai dû faire un trou sans scie. Donc j'ai fait ça à base de perceuse, plein de trous. Et après je m'en suis servi comme une scie en forçant comme un dégénéré et ça a fonctionné. Donc j'étais pas peu fier de moi. Tu vois ce que je veux dire, tu vois la strat. Genre tu fais des trous, puis après tu mets dans un trou, puis tu fais comme ça avec ta perceuse. Mais bon, ça... Ça a plutôt bien marché, quoi. Après le... Oh putain, on se fait avoir à chaque fois avec cette chiasse.
Oh putain, la range du bordel quoi. On arrive à placer ses potes à cailloux. Ah mais what the fuck. Non mais arrêtez tout, c'est impossible. Holy. Voilà, là on a pas eu le... J'ai pas cliqué, j'ai cliqué trop tard. Ok. Oh putain, on l'oublie à chaque fois celui-là, merde. Attention. Voilà. Du coup là il est en fou. Bam. Oh putain, j'ai oublié, je suis con. Quand il tape au sol, après il y a des cailloux. Eh oui, Michael. Ça, nul. Éloigne-toi. On a pas l'air à cailloux. Je sais pas si elle va faire le truc au sol. Oh non, pas ça, on n'y comprend rien. C'est impossible. Ouais, ouais, non. Les cailloux peuvent pas prendre feu malheureusement. Je crois. Hein. Dans le jeu, je sais pas. Je pense pas que dans le jeu, tu puisses mettre le feu aux cailloux. Je pense qu'il y a des systèmes d'éléments de résistance. Et à mon avis, le caillou et le feu. Hein. Ouais, ça marche pas comme ça malheureusement. Ce serait trop beau. Plateau de roche tranquille. Putain, on part de là quoi. Ça c'est nul hein. Bon, malgré tout, on est quand même plus près que... On est plus près que de l'autre côté. Come on. Bon, c'est la mécanique du jeu hein, de recommencer en boucle. Ça fait partie... Faut l'accepter dans le gameplay que c'est comme ça. Hop là. Attention, il va faire son truc, ça pique. Pas trop mal là, on est pas dégueu. Épique. Oh non, j'ai été... Ah, j'ai pas eu de chance là. Non mais il en a quand même par contre. Ouais non, c'est abusé.
Pas cher payé. Il est pas si Il est pas si compliqué que ça, c'est un petit peu tout le temps les mêmes mécaniques. Voilà, ça par contre on en peut plus. Ah et ça c'est impossible en vrai, c'est impossible. Le timing je l'ai pas. Allez. La sauter. Let's go! Le caillou! Ça y est, on commence à maîtriser, on commence à maîtriser! Et on gagne pas un esprit du caillou! Putain, on a 6 étincelles, faut vraiment qu'on up. Faut vraiment qu'on up. Point de sauvegarde ici. Magnifique. Papapapapam, papapapam, papapapapapam. Récupérer. Tac. Ah, attendez, on a deux trucs. Un sort défensif qui transforme le lanceur en pierre. Non, on va rester sur du offensif. Ah, attendez, il y avait un nouveau truc d'en créer. Créer une armure. On a des armures de cailloux. Ouh, plus 8. Oh, attendez, on a la panoplie cailloux, là. Ah mais ça fait un peu tank quand même. C'est un build tank j'ai l'impression, mais bon. On faire concentration sur les esquives parfaites. C'est pas mal quand même sur les esquives parfaites. Et en termes d'armes, en termes d'armes on peut améliorer. Aurais-tu un cœur de pierre aussi? Oui. Bien sûr.
Attends, c'est quoi la différence? Chaque gorgée permet de récupérer 33% de gorgée max. Ok. Chaque gorgée permet de récupérer 20%. Pendant rien, hein. Bah c'est nul. Au max tu gagnes 25. Et là c'est 33 instantané. Quel avantage de ça? Ou alors? C'est 25% en plus des 20%? Putain, je comprends pas là. Est-ce que c'est ça? Ça n'a aucun sens sinon. Salut T-Punch, ça va? Ah bah voilà, bah je prends ça. Additif. Solid comme un rock. Comme un rock. Ok. Voilà, là-bas y'a des gens pas beaux. Ouah! Ah mince, attendez, faut qu'on upgrade les compétences. On va faire ça vite fait là. Avancement. Attendez, équipement déjà. Attends, mais ça en fait, je suis con, je comprends pas quoi ça. What? Mais attends, on a vraiment ça là? Un truc qui crache du poison? Attends, on a un truc qui fait cracher du poison, j'ai l'impression qu'on redécouvre des trucs là. Coup critique, hein. Endurance, c'est le mana? Non, endurance, c'est pas le mana. Par contre, écoute, pas ce coco. T'as pas dû retourner voir le siège de la forêt, déjà? Car tu peux l'upgrade. Ah, mais t'as 40% et pas 33, merde! Putain, j'ai loupé ça, Logan. Non, ça me dit rien. Je sais pas où j'ai eu cette gourde. Je n'ai absolument aucune idée. Ah si, c'est pas le type quand on a tué le... Attendez. C'est pas quand on a tué la grenouille qu'il fallait retourner voir un gars? Ça vous parle pas ça? Attends, mais le L2R2, je viens de découvrir ça là. Je savais même pas qu'on avait un sort comme ça. Ah, upgrade! Attendez, parce qu'on a été pour upgrade. Au final, on a rien upgrade du tout. Avancement. Alors, qu'est-ce qu'on se prend? Ah, le solide comme un rock. J'aime bien le stun, j'aime bien la transformation aussi. Mais malheureusement, on est déjà immune dès qu'il bouge d'un pouce, la prolongeant, augmentant les dégâts subis. Ok, pas mal. Ça peut être pas mal pour les boss. Ça aussi. En fait, ça c'est ce qui nous permet de tuer plein de boss. Posture du bâton, on l'a même pas débloqué. Je t'avoue que... augmente légèrement la récupération lorsque celle-ci est épuisée. La première esquive devient plus... Ah mais on l'a déjà. L'esquive n'interrompt pas le combo. Ah, excellent ça. On demande vraiment la concentration accordée par les esquives parfaites. Ça c'est trop bien aussi. On va miser, de toute façon on va tout miser sur les esquives et sur les dégâts. Hein. Ah putain, ça c'est pas mal aussi. Ah, il faut augmenter cette partie-là aussi. Ouais, je sais pas comment je me suis Qu'est-ce que c'est que cette connerie là, quand même, à laquelle on vient d'assister?
Ah, c'est trop bien le truc de l'esquive qui brise pas le combo. Esquive critique de la vraie vie, exactement, un peu comme ce fight là. Là je vous ai fait preuve de... Vous comprenez pourquoi j'augmente l'esquive. gros échec d'esquive. Niveau 88 pour Alexandra. Ça commence à faire un petit moment, hein. Ça commence à être pas mal, niveau 88. Ok, on est reparti. Il est ici, le salaud. Don't move! Donc ça... Là, ça a invoqué des serpents. Ah oui! Attendez, mais c'est nouveau ce truc ou quoi là? Je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Je suis bloqué contre un mur. T'as né où toi du jeu du coup, Logan? Et t'es chiant à tuer lui, hein. Est-ce que t'as bien avancé? J'en ai joué un coffre à droite là. Je vois des trucs brillants. On a failli louper. Même endroit que toi, mais un peu moins avancé en niveau. Ok. Je crois que moi j'ai 5 heures de jeu. Il me semble. On a fait 2... 3 lives, peut-être un peu plus. Peut-être 6 heures. Oh! Oh, le sliding! Pam 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 pam. Oh non, c'est chiant les archers. Il y a deux trucs chiants que je trouve dans le jeu, c'est les archers. Que des fois on peut même pas atteindre. Et le fait de devoir repasser devant plein de petits mobs pour aller à des boss si on n'a pas réussi à le faire. Genre là ils vont me faire chier tout cela. Tout ça pour de la soie. Attends, elle est où l'autre? Il est là-bas. On l'a eu. Oh putain, on va même pas. Ah mais. Je ne fais que passer. Excusez-moi. C'est pas mal ça. Let's go! 8h, 4h, regardez les paysages. Ah ouais, non, mais il y a des trucs qui sont magnifiques. Moi je faisais ça sur Red Dead Redemption. Le jeu était tellement beau que par moment. Putain. Oh oui, le chanteur fou! Excellent, j'adore ce type. Easy. Sans autour, permet d'améliorer le 2R2. Ok, mais j'ai jamais utilisé ce truc, sauf avant là. Regarde ça, c'est une plume. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce truc? This befits you grandly. Hey, luckily I've kept it close for its rightful owner. Nanan. Tout de multiplicité. Créez des doubles pour vous aider au combat en soufflant des mèches. Oula, c'est full bugué.
Attendez. Sauvegardons avant d'aller dans ce... Bah, je sens qu'il y a une connerie. Truc de multiplicité, ça peut être pas mal, hein. Récupérons. Sur les boss et tout, je sais pas comment ça fonctionne. Par contre, il faudrait qu'on puisse augmenter la mana. Je sais pas si on dit le mana, la mana. Merci pour cette volonté. Genre lui là-bas. Est-ce que je peux faire multiplicité? Ah oui. Je suis sûr qu'il doit y avoir des améliorations de zinzin sur ça. Bon, on va retourner là-bas, on va récupérer, on va continuer derrière la porte. Attends, ça dure longtemps en plus cette connerie. Non mais oh! C'est mon crew. Ah, c'est stylé. La manière dont ils apparaissent et disparaissent. Putain, c'est beau quand même. Regardez-moi ça. Magnifique. Magnifique. Récupéré. YouTube, on s'abandonne. On se retrouve de suite pour la suite des vidéos. Ciao, ciao. A tout de suite.